Bonjour et bienvenue au Jardin de la rue de Mons, au Festival d'Avignon, pour cette première lecture de la 10e édition du cycle ça va le monde. Donc je veux vous saluer, vous public nombreux, qui pour certains peut-être sont là depuis 10 ans, dès la première édition. Est-ce que certains étaient là pour la première édition? Ils lèvent la main. Ah oui, quand même. Il y a Marie-Christine Saragosse, la PDG de France Média Monde, et Cécile Mégy, la directrice de RFI. C'est un peu normal, mais les autres, c'est pas mal, bravo. Donc je vous salue, vous. Je salue bien évidemment toute l'équipe de RFI qui fait que ce projet de lecture enregistré puis diffusé sur les antennes peut se faire. Donc Benjamin Avayou, Thibaut Baduel, Jérémy Bessé, Romain Ferré et Dominique Fian qui est derrière la caméra. Je salue bien évidemment tous les partenaires, le Festival d'Avignon, sans qui nous ne pourrions pas être dans ce jardin de la rue de Mons. La SACD, vous avez levé le doigt, non, parce qu'il y a une tournante à la SACD, mais à la SACD fidèle depuis 10 ans, toutes les éditions, la SACD a été là en soutien. Et puis l'Institut français qui, d'année en année, se laisse de plus en plus séduire. Donc je remercie l'Institut français, mais aussi tous les postes à l'étranger qui ponctuellement peuvent nous aider pour faire venir des auteurs ou des artistes. Et puis, bien évidemment, je salue les internautes qui nous regardent sur la page Facebook de RFI. Ils sont par milliers, et ce n'est pas un excès de modestie ou d'orgueil que de dire ça, plutôt d'orgueil, parce que vraiment, on voit dans les commentaires qu'ils sont de tous les pays du monde, beaucoup en Afrique bien sûr, et je crois aujourd'hui il y en aura pas mal de Port-au-Prince, même s'il est 6h du matin à Port-au-Prince, mais on peut imaginer qu'il y aura quand même comme ça une petite heure de bonheur pour des Haïtiens qui vivent des temps difficiles en ce moment. Alors pourquoi les Haïtiens? Parce que nous allons commencer avec la lecture d'un poète et auteur haïtien, Jean d'Amérique, qui a obtenu le prix RFI Théâtre en 2021. Donc c'est la tradition que le lauréat du prix Théâtre ouvre ce cycle de lecture. On aura l'occasion d'échanger un tout petit peu avec lui. Je ne vais pas vous raconter bien évidemment la pièce. C'est vraiment un auteur qui, à mon avis, dans 10 ans, sera l'un des plus grands. Parce que depuis l'édition de son premier roman chez Actes Sud, et je salue Françoise Nyssen, toutes les planètes sont alignées pour lui. Il remporte des prix de poésie à foison, le prix RFI Théâtre. Je crois que Soleil à coudre en est à sa 5e, 6e ou 7e réédition. Donc c'est vraiment quelqu'un à suivre que vous allez découvrir. Et notamment ce texte Opéra Poussière qui n'a encore jamais été mis en scène, qui est édité en revanche aux éditions théâtrales et qui raconte une histoire d'histoire. Donc je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser écouter. Je veux juste citer bien évidemment les artistes, Armel Roussel qui signe la mise en voix assistée de Iris Laurent. Et vous entendrez sur scène Sacha Anacassis, Wilda Philippe, Guy Régis Junior et les élèves de l'École du Nord, Jade Crespi, Fantine Gélu, Ambre Germain Cartron, Loan Herman, Mohamed Louridi, Chloé Montero, Mia Péchillon et Charles Tuzieré, donc les étudiants, les élèves de l'École du Nord qui sont embarqués dans l'aventure cette année. Si j'ai oublié quelqu'un ou quelqu'une, je me rattraperai tout à l'heure. Nicolas Benita, me dit Cécile Mégy. J'ai oublié Nicolas Benita qui tous les ans me donne le micro. C'est formidable. Merci beaucoup. Opéra Poussière, Jean d'Amérique. Bonne lecture. Sergente puis lieutenante de l'armée révolutionnaire haïtienne de la fin du 18e siècle, Sanit Belair est une résistante anticolonialiste, assassinée en octobre 1802 par les colons français pour avoir constitué un groupe de rebelles aspirant à la liberté. Plus de deux siècles plus tard, elle demeure quasiment absente des livres d'histoire et des espaces dits de mémoire. Bien qu'inspirée de ce parcours, cette pièce n'est pas une biographie, mais une tentative de réveiller cette héroïne de la poussière. Demande de soleil à l'ambassade des ossements. Quelque part, rumeur zéro, un temps enfoui dans le silence. Le même temps, une voix se déplie, long murmure, petit cri d'ennui, bruit bizarre. Aucune parole articulée en tout cas,
Il fait noir, il fait très noir. Difficile donc de deviner de quel lieu il s'agit. Temps fragile, terriblement vide, tel bois sec. Rien ne bouge, sauf la voix. Puis silence, un moment. Puis, comme la tendre musique d'un vent léger au contact d'un feuillage, la voix se déplie lentement, amorce quelques requêtes. Ô nuit, toi. Ô nuit peint trop sec dans ma bouche. Ô nuit qui m'enveloppe et me serre de toutes parts. Nuit qui tourne autour de ma tête depuis des siècles, depuis deux siècles. Je te plains. J'en ai assez de l'incessible marée d'ombre. Je voudrais casser la corde, brûler ce voile immense que tu es. Je voudrais clore ton étreinte, déchirer tes brumes trop denses. Je voudrais te percer et voir au-delà. Je voudrais ouvrir mon corps, tendre enfin mes dentelles au vent fou, parler à l'aube et saluer la caravane des jours qui passent. Je me souviens de l'autre côté, de l'autre monde, de l'autre visage de l'univers qu'on appelle vie. Quelque chose me hante. Quelque chose me hante, la mémoire sans relâche. J'ai la nostalgie des pleines lunes et de la terre mouillée par la brise, des corps tressés d'hommes et de femmes qui défilent d'un bout à l'autre des territoires incandescents. Moi, je n'ai pas demandé d'être ici. À vrai dire, je voudrais casser tête et retourner, revenir à l'enfance des choses, renaître au sol primitif de ma lumière. Un vertige me déchire, m'étouffe, oui, quelque chose me hante, la mémoire. Page blanche dans la bouche. Là-bas, le silence. Là-bas, l'oubli. On entend au loin des bruits, des pas, une rumeur chargée de fougue, une espèce de carnaval porté par des jambes motivées. On dirait le passage de quelques caravanes étranges. C'est le peuple des ossements. Que la nuit règne. Que la nuit règne sur nous. Que la nuit règne encore et pour toujours. Ouvrez-vous, qu'elle vous embrasse. Laissez-lui votre corps, qu'elle puisse entrer et faire son travail. Laissez-la vous caresser. Oh oui. Oui, ouvrez vos corps. Laissez la nuit pétrir vos mamelles intérieures. Oh, comme vous êtes belle. Comme vous êtes belle et dramatiquement lumineuse. Comme vous êtes sublime, regardez ça. Une sublime petite charogne. Allez donc, allez vous reposer. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie de tous les ravages. Je ne comprends pas ce bordel, oh putain. C'est ça la nuit finale? C'est ça donc l'au-delà? J'ai été patiente. J'ai mis longtemps pour ouvrir mes yeux. J'ai mis deux siècles exactement, j'espérais mieux. Franchement, ça commence à être beaucoup trop pour moi. C'est quoi cette nuit qui n'arrête pas de se répéter? C'est quoi cette masse ténébreuse qui tourne en boucle autour des esprits? Je ne savais pas que le dernier silence de l'âme humaine était aussi long, aussi profond, aussi pâle, aussi vide. Les bêtes ailées de la prairie divine, celle qui était prête à nous manger quand on ne voulait croire au voyage vers les cieux, qu'elle s'acharne encore à promouvoir. Où est passée leur parole? Point d'interrogation. Le fameux jugement dernier viendra-t-il un jour? Point d'interrogation. Où est le paradis dont parlaient les salauds? Point d'interrogation. Je regarde autour de moi, il n'y a qu'un océan trop plein de nuit. Oh merde, comment vais-je me barrer d'ici? Point d'interrogation. Il faut que j'aille accomplir ma mission. J'ai quelque chose à réinventer. J'ai tout un monde à réparer. Là-bas, le silence. Là-bas, l'oubli. Le jour s'ouvre lentement. Peu à peu se révèle l'espace, grand cimetière de Port-au-Prince. Le lever du jour ici est une convention pour faciliter la vue à ceux qui ne font pas partie de l'éternelle population des cimetières. La femme qui s'apprête à parler a encore les yeux fermés. En fait, ses yeux sont fermés depuis deux siècles. Elle s'adresse à Baron Samedi, le patron des morts, le maître des cimetières, le gardien suprême des tombeaux. Bonjour,
Je dis bonjour, chef. Oui, pardon de vous déranger. Je voudrais vous parler une minute, juste une minute. Oui, je m'appelle, en fait, j'habite ici et... Et quoi? Baron Samedi, il examine d'un œil étrange. Et excusez-moi, j'ai une faveur à vous demander, cher maître. En fait, je viens... Calmez-vous. On ne court pas comme ça ici. Il faut partir au point qu'il faut. Tout d'abord, jeune fille, qui êtes-vous? Quel est votre âge de nuit? Quoi? Votre âge de nuit, j'ai dit. Fallait penser à nettoyer vos oreilles avant de venir me voir. Depuis quand et comment êtes-vous arrivé ici? Dressez-moi votre identité de poussière. J'habite ici, dans ce royaume, depuis 2 siècles, pour être plus précis. Voilà, monsieur. Eh bien, continuez donc, bordel! Un colis bien rempli de morts m'attend dehors. Pardon, je ne voulais pas m'énerver sur vous, mademoiselle. C'est juste cette énième journée de trop dur labeur qui me met dans cet état, vous comprenez? Ce pays qu'on appelle Haïti, ça envoie des morts partout, tous les jours. Ici, comme ça, par là, hein, des grains de pluie, chaque jour, une masse. Donc j'ai du pain sur la planche, voilà. Bref, je vous écoute. J'ai pris cher à Verrette. Dans le ventre d'une femme dont la vie n'était pas la plus facile. Une femme cadavre avant l'heure, si je puis dire ainsi, puisqu'en même temps qu'elle me portait, elle avait sur le dos le chant atroce de Saint-Domingue. En même temps que je tournais dans son ventre en quête de battements de vie, les officiers de la bienveillante métropole cherchaient sans relâche les secrets de sa chair avec des rigoises. Et ainsi, elle mourait chaque jour, ma mère. Et c'était cela, sa vie. Sans doute pourquoi, elle n'a pas pu tenir longtemps après ma naissance. J'avais 2 ans et elle avait déjà plié bagage. Elle avait mis du vent dans sa voile un après-midi au milieu du champ, une houe à la main. Et même morte, j'ai vu les rigoises des maîtres tenter de la réveiller. Où était-ce notre forme de prière nécessaire que ceux qui nous ont fait la grâce de la croix et de la Bible venaient tout juste d'inventer? Je suis née dans cette mort-là. Imaginez donc l'enfance qui suit. Moi, quand j'y repense, je ne vois que carnaval de poussière sur la route trop étroite des souvenirs. Fermez-la tout de suite. Fermez-la. 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 Fermez la porte. Vous n'irez nulle part. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Votre corps a besoin de repos. Que la poussière soit avec vous. Oh oui, que la poussière soit avec vous, pour le temps des cauchemars. Et pour l'éternité du néant. Allez donc, allez vous reposer. Vous êtes béni. Vous êtes béni de tous les silences. Trêve, trêve, s'il vous plaît. Continuez, jeune fille, je vous écoute. J'ai été capturée dès ma naissance pour être traitée à la même machine selon le même code qui guida ma mère vers le vide éternel. C'est-à-dire traînée comme une serpillière, comme un débris, une poubelle, un bien meuble, pour être plus fidèle au lexique du code dont vous n'ignorez point la couleur. Oui, un bien meuble, comme vous entendez. Genre une casserole, une paire de chaussures, une chemise, une brouette, une chèvre, un poulet, un chapeau. Cela veut dire non seulement vous êtes une casserole qui appartient à quelqu'un. Il peut décider de vous foutre au feu, de te briser sur la tête d'une autre casserole. Cela veut dire non seulement vous êtes un poulet ayant un propriétaire. À n'importe quel moment, on peut décider de te balancer sous une grille en feu pour le plaisir de déguster un barbecue. Et je pourrais le dire, j'en ai vu des barbecues. Oh oui, j'ai vu tant de semblables transformés en barbecues sous l'œil gourmand du dieu colon. Avec mes frères et sœurs du même cas, on est partis dans les mornes, se cacher dans les buissons, dans les forêts. Imaginez comment revenir casser la gueule de nos propriétaires dans l'espoir d'appartenir à nous-mêmes. C'est de ça qu'on rêvait. Et j'étais partisane du gang qui portait ce rêve, se révolter. Et bien la suite, c'est qu'on m'a capturée puis fusillée.
fusillée. On m'a fusillée parce que je voulais déraciner un monde où l'on prenait l'humain pour du bétail. Me voici poussée sitôt dans le royaume de la poussière. Je suis arrivée ici un soir d'octobre. Je suis arrivée ici il y a 2 siècles. Je me souviens, le long trajet de sang et la destination encore moins heureuse. Le cadran du rêve de vie affichait direction cimetière. Mon moyen de transport, une balle. Un coup de feu du pays des droits de l'homme. Une balle de l'impitoyable revolver colonial. Un plomb du général français de l'armée encore plus française. Un plomb de grâce venu à moi sous la gâchette du général français par excellence. Un silence de plomb sur le visage. Et aujourd'hui, figurez-vous, ce pour qui je me battais contre ces ombres, ce pour qui je tentais de creuser une brèche vers la dignité, ils m'ont tous oublié. Là-bas, les historiens, les biographes, ils font trembler la page pour les hommes, leurs héros. Là-bas, les livres d'histoire ont du mal à reconnaître mon visage. Et paraît que de jour en jour, plus épaisse devient la poussière qui couronne mon image. Là-bas, le Panthéon se dresse sans mon ombre. Aucune place pour mon étoile au patrimoine. Là-bas, Champ de Mars, quartier général des héros. Aucune place pour ma tête. Là-bas, le soleil brille pour les pères de la patrie et moi, toujours couverte de poussière dans les recoins de la mémoire, une poussière qu'on veut éternelle. Que la nuit règne. Que la nuit règne sur nous. Dès maintenant et à jamais. Que la nuit règne. Encore. Et pour toujours. Ouvrez-vous, ouvrez vos veines. Voici le sang béni de la nuit. Petite, baissez la tête. Que les ombres soient avec vous. Vos lèvres ont besoin de repos. Que le silence soit avec vous. Voici la nuit. Sa majesté la nuit. Ouvrez-lui le royaume de la poussière. Ouvrez-lui votre cervelle. Qu'elle vous embrasse la mémoire. Laissez-lui votre corps, qu'elle puisse entrer et faire son travail. Laissez-la vous caresser. Oh oui. Ouvrez votre corps. Laissez la nuit pétrir vos mamelles intérieures. Comme vous êtes magnifique. Oh, comme vous êtes rayonnante, dramatique et terriblement lumineuse. Comme vous êtes charmante. Regardez ça. Une magnifique petite charogne. Allez donc. Allez vous reposer. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie de tous les désastres. Un temps, silence, on entend à peine le souffle qui vacille. La voix revient des profondeurs de la peur, la voix retrouve de la force et reprend son monologue. Je n'en peux plus de ce silence. Je n'en peux plus de ce vide. Il faut que j'y aille mettre de l'ordre. La nuit pèse trop sur mon ouvrage. C'est pour ça que je viens devant vous. Un visa qu'il me faut pour traverser vers la lumière et régler mes comptes avec mon peuple. Un long combat m'attend. Si je viens vous demander le passage, c'est que je suis dans le besoin. Un visa qu'il me faut pour là-bas, comprenez-moi, maître. Je pars en mission. J'ai des choses à régler là-bas. J'ai une mission de soleil, un travail de vie. Là-bas, le silence. Là-bas, l'oubli. Je vous remercie. J'ai écouté vos battements et j'ai noté jusqu'au souffle le plus subtil. L'ambassade des ossements est à l'écoute des âmes citoyennes. Votre demande a bien été enregistrée. Allez voir la gardienne. Allez voir Grande Brigitte, la grande patronne, pour les suites administratives. Elle se dirige vers le bureau de Grande Brigitte qui fait le point sur son dossier. En matière de migration vers la lumière, le bilan est plutôt négatif. Je suis désolée, mais la réalité, elle est là. Ce sont les chiffres qui parlent. Nous délivrons peu de visas pour la vie. Très peu. Le peuple des ossements n'a pas la coutume d'aller traîner ailleurs. Oui, mais... À chaque fois que nous délivrons une autorisation de voyager, cela nous vaut un scandale chez les autres peuples. On nous traite de zombies, de mauvais esprits, on nous accuse de hanter les lieux, on nous accuse d'être à l'origine de tous les cauchemars possibles.
Je ne parlerai même pas de ce qu'on subit sous la machine Hollywood. Et ces genres de choses, ce n'est pas une bonne note pour nous. Je vous fais part de tout cela pour que vous compreniez les enjeux. Je comprends. Mais ma demande est particulière. Elle relève d'une véritable urgence. C'est un enjeu pour la grande histoire, pour les siècles à venir. Je crois que le peuple des ossements a besoin qu'on continue à prendre soin de sa mémoire là-bas. S'il vous plaît, faites quelque chose. Mais bien sûr, nous allons analyser votre cas avec attention. De toute façon, nous analysons toutes les demandes. L'ambassade des ossements, sachez-le, est honnête et partisane de la vérité. Nous sommes toujours à l'écoute des âmes citoyennes. C'est la moindre des choses en ce qui concerne notre travail. Mademoiselle, tenez, veuillez signer ceci, c'est la retranscription de votre entretien. Veuillez y joindre votre signature afin d'authentifier les informations données. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension, patronne. Elle signe le document. C'est quoi le numéro de votre tombe ? 0, 0, 0 et quelques zéros encore. Veuillez l'ajouter en bas de la page, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Grande Brigitte range le dossier. Conformément au règlement d'immigration en vigueur jusqu'à cette nuit et au nom du peuple éternel des ossements, nous allons traiter votre demande. Nous allons traiter dans les meilleurs délais votre demande d'autorisation de voyager vers la vie. Vous recevrez une réponse dans votre prochain rêve et je vous prie d'être attentive au moindre rayon de lumière car si la réponse est positive, le visa vous sera délivré sous la forme d'un morceau de soleil à apposer sur la première page blanche de votre âme. Voilà. Honneur, respect et autres désirs parmi les hommes. Nous sommes de l'autre côté, là-bas, Champ de Mars, la plus grande place publique du pays. C'est le poumon de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. On dit souvent que c'est une université populaire. Nombreux sont les gens qui y passent toute la sainte journée à discuter de tout et jamais de rien. Quatre héros de l'indépendance y habitent et forment depuis quelques années le fameux cercle des pères de la patrie. Ils sont honorés, mais il semble qu'il leur manque quelque chose. Ils tuent le temps à boire, à discuter, puis un jour... Monsieur, c'est trop chiant. Ça commence à être vraiment compliqué, là. Il faut qu'on trouve une solution. Parfois, j'ai envie de me barrer d'ici, franchement. On nous a piégés dans une sale vie, mec. Tu te rends pas compte? Je crois que c'est bien calculé, il n'y a pas de doute. Ils boivent une gorgée et passent la bouteille. Et puis ils font semblant de nous honorer, ils font comme si c'était un honneur d'être ici agréé sous le soleil. Ça sert à quoi d'être une statue? Ça sert à quoi d'être une statue si tout le monde s'en fout? Putain, ils foutent vraiment notre gueule. Est-ce pour ça que nous sommes battus? Ah, ce pays, bordel! Trop ingrat! Ces gens sont trop ingrats. Et ils appellent ça mémoire. Hein? C'est ça, mémoire, sois sérieux. Mais depuis quand tu l'étais, toi hein? Ramène un colon ici, tu verras si j'ai l'air de rigoler, hein. Les gars, vous vous souvenez de la fameuse chute du président François Hollande quand il était venu en visite ici? Eh bien, c'est moi qui en suis à l'origine. En fait, j'ai cru que c'était Napoléon Bonaparte et j'ai pissé sur le tapis rouge à l'entrée du Palais National. Voilà pourquoi le mec, il a glissé et paf, sa gueule dans la flaque. Oh, le pauvre. Ben, j'ai pas fait exprès, mais quand même, François Hollande, président de la République des droits de l'homme, qui met sa gueule dans ma pisse, c'est pas rigolo, ça, avouez-le. Espèce de mythomane. Bon, si vous ne me croyez pas, laissez tomber. Je n'aime pas avoir à justifier ce qui m'appartient. Bref, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que ce que nous vivons ici, c'est vraiment dingue. Notre situation est vraiment inacceptable. Ça, on est tous d'accord. Tu parles d'or, mon frère, tu parles d'or. Être une statue. Les gens n'en ont rien à battre. T'as vu? Maintenant, ils passent et ne regardent même pas. On ne peut pas rester ici dans ces conditions. Faut que le pays se réveille, enfin. Et où sont nos sœurs? Où sont-elles? Elles étaient à nos côtés, quand même. Pourquoi sont-elles absentes, maintenant? Pourquoi doivent-elles rester derrière les barreaux de la mort? Oh, ouais, ça rigole pas, là, monsieur, le défenseur des femmes. Mais ta gueule! Elles étaient là! Et elles portaient, elles aussi, les combats. Ça n'a rien de logique que ce soit seulement nos gueules qui viennent fleurir l'espace. Si c'est un honneur que d'être ici, moi j'aimerais bien voir les autres aussi. Nous méritons tous et toutes le fruit de nos luttes. On n'était jamais seuls. Au commencement, on n'était pas seuls. Pourquoi maintenant il y a nos gueules sur cette place? Bon, même si être ici, ça ne sert pas à grand-chose, peut-être même ça ne sert à rien au final. Mais quand même... Passe-moi la bouteille, frère.
Mais quand même, il y a les gosses qui passent, il y a le peuple qui nous regarde, il y a la foule qui consomme nos visages. On va finir par rentrer dans leur crâne et nos enfants et nos filles, quand elles regarderont dans le miroir de l'histoire, elles ne verront aucun reflet de leur être. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce notre faute? On a peut-être notre petit rôle à jouer aussi. Faut peut-être insister. Depuis le temps qu'on le demande, depuis le temps qu'on demande ça, les ministres jouent à la sourde oreille. Ils viennent déposer des fleurs, tout un carnaval de fleurs, soi-disant pour commémorer notre naissance ou notre mort. Qu'est-ce qu'on a à battre de leurs fleurs? Ramenez-nous nos sœurs! Ça vaut plus que des fleurs. Non, mais t'as raison, en fait. Désolé. Mais bien sûr. Mais ouais, les nanas. Évidemment. Pas de royaume sans reine, hein. Quatre gros souffles ensemble, c'est pas terrible, ça? Eh, je vais pas me taper des branlettes désespérées sous vos gueules, là. Hein. Non, mais... Ramenez-nous nos nanas! Mais ta gueule, toi, tu vas m'énerver. Passe-moi la bouteille. Écho de la lumière. Sur la télévision nationale, dans le journal du soir, la présentatrice. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans le journal dont vous rêvez. À la une de l'actualité, une énigmatique affaire. La toile se chauffe encore une fois, nos vies aussi. Un nouveau phénomène est en train de gagner les réseaux sociaux avec une vitesse foudroyante. La rue en parle déjà, l'ombre d'une révolte rôde autour de nous. Une activiste politique qui se réclame d'être Sanit Belair a lancé depuis hier matin sur Twitter un étonnant mouvement. C'est le cas de le dire, je préfère vous lire sa déclaration. Me voici, Sanit Belair, haïtienne, résistante anticolonialiste, marre d'être toujours parce que femme, un personnage secondaire de l'histoire, je réclame ma place sur le champ de Mars aux côtés des pères de la nation haïtienne, hashtag héroïne en colère. Cette publication a été déjà relayée par près d'un million d'internautes en seulement 24 heures. Qui est cette femme? Étrange, diriez-vous. Nous appuyons un surgissement étrange puisque... Sanit Belair, la vraie, elle n'est plus. La dernière personne vivante ayant porté ce nom remonte à pas moins de 2 siècles. Est-ce elle qui revient nous parler? Régler ses comptes avec nous? Aurait-on affaire à quelques fantômes? Sommes-nous dans un rêve? Un beau rêve de vivre à hauteur d'hommes et de femmes? Certains parlent de la possibilité qu'une influenceuse soit cachée derrière le compte Twitter, mais on a du mal à voir l'intérêt qui la pousserait à une telle entreprise. Affaire à suivre. Nous cherchons à comprendre comment les gens reçoivent ce mouvement, cette irruption, ce qu'ils en pensent et ce qui motive ce soutien massif. Nous cherchons à capter les échos de plusieurs couches de la société. Et ce soir, 3 personnalités vont nous rejoindre au plateau pour discuter de tout ça. Nous vous laissons respirer un peu et nous revenons dans un bref instant. J'ai fait un rêve. Hier soir, j'ai fait un rêve. Oh, Martin Luther King? I have a dream. Arrête, je suis sérieux, les gars. En fait, depuis quelques jours, je fais un rêve étrange. Ça ne s'arrête pas. Depuis quelques jours, un rêve bizarre traverse mon sommeil. Enfin, disons, un cauchemar. Enfin, je ne comprends pas trop. Bref. T'as vu le général Leclerc ou quoi? Non, mais t'as vu Bonaparte, c'est ça? Eh, tu vas pas me dire que t'as peur de ces connards. Les gars, je ne raconte pas de bêtises, croyez-moi. Hier soir... Mais raconte, vas-y, raconte. J'ai vu quelque chose ici. Enfin, quelqu'un, enfin... Ce n'était pas vraiment quelqu'un, c'était juste... 2 jambes. 2 jambes debout, ici. Je vous jure, vraiment, juste 2 jambes plantées là, au milieu de nous, mais à vrai dire, elles étaient comme en vie. Ouais, il y avait quelque chose de vivant en elles, je ne sais pas, je ne peux pas trop expliquer, mais... 2 jambes, je vous jure. Et tu les as pas écartées, hein? Plateau télé, entretien. Nous voici de retour. Nous recevons ce soir une femme qui dit avoir été sauvée par la lumière de Sanit Belair. Madame Anna, vous êtes l'une des personnes qui ont découvert Sanit Belair par son mouvement sur les réseaux sociaux. Et il semble que vous êtes particulièrement touchée par son combat, que d'ailleurs vous défendez sur tous les fronts possibles. Pourriez-vous en dire plus à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices? Oh, j'ai pas grand-chose à dire.
Je voulais simplement témoigner. Témoigner du fait que cette femme a changé ma vie. Franchement, et inviter les gens à la laisser entrer dans leur vie, à supporter sa lutte, qui est si nécessaire parce que nous avons besoin de visages qui nous reflètent. Et c'est ça que j'ai trouvé chez Sanit Belair. La nation n'a pas que des pères, la nation n'a pas que des héros. Nos sœurs aussi étaient dans les combats. Nos héroïnes méritent aussi d'être honorées et de trouver leur place dans l'histoire. Mais comment a-t-elle changé votre vie exactement? Comment? À l'école, vous savez, à l'école, les pages étaient soit blanches, soit remplies d'hommes. Bref, on nous a fait gober des couilles et c'est tout. C'est cette héroïne en colère qui m'a ouvert les yeux. Si j'étais savane abandonnée, eh bien maintenant je suis jardin où fleurit le printemps. Avant je n'étais que poussière. Je n'étais que poussière. Et maintenant je suis écaille d'étoiles. Poudre d'or et de lumière, voyez-vous. Sous les lueurs de Sanit Belair. Mais je suis maintenant vivante. Elle a changé ma vie. Oh, je ne la connaissais pas. Oh, merci, Twitter. Béni soit l'oiseau bleu. Corps, cauchemar. Passe-moi la bouteille. C'est que boire. Arrête-toi, passe-moi la bouteille, frère, j'ai soif. Hier soir. Allez, c'est parti, encore un de ces rêves. Je peux parler, hein? Je peux parler ou que c'est la colonisation qui est de retour et que je dois fermer ma gueule à jamais. Je peux parler ou quoi? Silence, Héro 4, un peu vexé, Iltoise, Héro 3. Non, mais quoi encore, mec? Hier soir, j'ai fait un rêve, non? Un cauchemar? Bah vas-y, raconte. Les deux jambes. Ouais. Les deux jambes. Elles étaient reliées par des hanches. Et t'as fait quoi avec ces hanches? Non, mais... Pardon, j'arrête de déconner, je t'écoute maintenant. Silence. Et je me suis réveillé en sursaut. Je ne voyais plus le corps, mais c'était là, dans ma tête. C'est comme si... Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait une vraie présence. Je vous parle, là, j'ai un peu la même sensation. Bref. Le corps a disparu et je me suis rendormi. Quelques instants plus tard, le cauchemar a repris son cours. Un tourbillon de poussière violent. Vraiment. Et là, je vois les jambes. Les deux jambes sont revenues et elles étaient reliées par des hanches. Désolé de te couper, mais ça, tu l'as déjà dit. Tu viens de le dire. Que t'as vu... Deux jambes et des hanches. Et au-dessus des hanches, il y avait autre chose. Il y avait quelque chose en train de se former. J'ai vu un ventre, des côtes. Impressionnant, franchement. Croyez-moi si vous voulez. Ouais, je te crois, ouais. Mais bien sûr que je te crois. Les mots et le corps. Plateau télé, entretien. Maintenant, nous recevons une historienne et professeure d'université, Madeleine Sylvain. Bienvenue sur notre plateau. Et nous sommes... c'est un plaisir de vous recevoir. Comment comprenez-vous le mouvement initié par Sanit Belair? Elle a beaucoup de soutien, notamment de vous. Mais en même temps, beaucoup de gens disent être perturbés par l'aspect mystérieux du personnage, de ses actions. Les gens disent... Pourquoi tout ce mystère? Les gens disent pourquoi elle ne montre pas sa gueule. Les gens disent que si elle veut nous parler... Pourquoi elle se cache? Moi, je demande. Pourquoi on a besoin de voir un corps pour valider sa parole? Pourquoi? Réponse? Quand on aura vu ce corps, on ne verra que le corps. On n'écoutera plus ses mots. On ne tendra plus l'oreille à sa blessure vocale. On ne verra que le corps. Les gens disent... Depuis quand les vraies luttes se passent sur les réseaux sociaux? Les gens disent qu'elle travaille pour l'Occident, qu'elle est pleurnicharde, que c'est pas l'heure de poser la question, qu'elle ferait mieux de lutter pour autre chose. Le peuple a faim, n'a pas le temps de discuter rêve de femme. Le peuple crève, n'a pas l'énergie d'embrasser féminisme. Les gens disent que Sanit Belair est folle, que ce qui soi-disant lui pose problème, ça peut attendre plus tard. Les gens disent que c'est pas le moment, les gens disent qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là, les gens disent que franchement elle exagère, les gens disent qu'elle aille se faire foutre. Et vous pensez quoi de tout ça?
Vous savez, madame, il y aura toujours des gens pour penser qu'elle ne mérite pas sa place. Il y aura toujours des gens qui s'en foutent de cette part de lumière pourtant si précieuse que cette héroïne en colère nous apporte, je le sais. Et il faudra changer les mentalités, mais je suis déjà heureuse qu'il y ait une bonne partie de la population qui soutient le mouvement. Et je me demande même, je me demande si ces héros qu'on honore, si ces héros qui trônent au Champ de Mars, s'ils étaient vivants, s'ils savaient parler. Mais madame, on dit toujours qu'on n'écrit pas l'histoire avec des signes. Non, mais je me demande qu'est-ce qu'ils auraient dit. Je suis sûre que leur sœur leur manque. Même eux, ils doivent être bien conscients qu'ils n'étaient pas seuls dans les combats. Je veux le croire. Oui, ils doivent être en train de se demander où sont passées les femmes. Oui, je veux bien le croire. Ils doivent se demander où sont-elles. Vous êtes la première à travailler sur une biographie de Sanit Belair. Vous en êtes où? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? J'avance là-dessus depuis un moment. Ça prend du temps, mais ça va venir. Je vous le promets. Il y aura enfin quelque chose sur elle. Pas juste deux, trois lignes. Pas un paragraphe rabâché qu'on reprend tout le temps, mais un vrai travail. Un vrai travail pour rallumer les étoiles de nos luttes qu'on ne cesse d'occulter. Nous vous remercions vivement de nous avoir accordé cet entretien et attendons avec impatience votre livre sur Sanit Belair. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls à l'attendre d'ailleurs. Un dernier mot pour finir? Longtemps, je me suis couchée sur le lit de la grande histoire. Jamais un rêve n'a frôlé mon sommeil avec dans le bec un nom de femme. Il faudra réécrire notre odyssée. Plateau télé, entretien. Ah, Ida, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes poétesse. Comment vous voyez tout ça, vous? Quelques mots sur Sanit Belair? Paraît-il qu'elle compte beaucoup pour vous. J'ai rêvé de Sanit Belair. Elle était belle. D'une beauté à couper le souffle des colons qui lui jetaient des ombres. Elle avait le cœur chaud pour la vie. Oiseau de feu en quête de large, en quête de branches où se poser, elle désirait un corps sans maître, un horizon sans maître au pôle. Elle respirait dans quelque sang rebelle et lumineux, combat livré à main nue contre la mort. Elle travaillait dans le champ du corps libre. J'ai vu ses jambes grimper les mornes en quête d'un soleil à couper les chaînes. Mais madame, les gens se demandent si elle existe vraiment, Sanit Belair, car personne ne l'a vue jusque-là. J'ai rêvé de Sanit, je vous jure. Sanit Suzanne Belair. Au-dessus de son corps, longtemps immatriculé, bien meuble, je l'ai vue brandir sa carte d'identité humaine. J'ai vu son acte de naissance dans un point levé. Elle portait haut l'épée du rêve de vivre. Sur son visage, une flamme immense. Et les sueurs de la beauté y brillaient comme jamais. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez vue. Je la revois encore devant moi. Semant des graines de feu dans mon esprit, elle était belle, je vous dis. Et si vous ne me croyez pas, demandez à la beauté. Ce sera pour une prochaine émission. J'ai rêvé de Sanit Belair. Elle avait les mains habiles des anges qui fabriquent des lendemains de lumière. Elle dessinait l'avenir à sa manière. Son crayon, une griffe dans la peau esclave. Elle avait des yeux à inventer de nouveaux printemps. Son vœu de liberté pour seule sève. Je l'ai vue raccommoder les branches d'un arbre de vie et allongée dans la nuit noire de Saint-Domingue, elle tissait un songe bleu ciel. Ô Sanit, loué soit ton œuvre. Ô Sanit Belair, béni soit ton nom. Corps cauchemar. Hier soir, j'ai fait un rêve. Encore ? Le corps cauchemar. Les fragments du corps cauchemar sont revenus.
Je ne sais pas pourquoi cette chose me hante, moi je veux juste dormir, je veux dormir en paix. Alors raconte. En fait, le corps est revenu le même, les jambes les mêmes, les côtes les mêmes, les hanches les mêmes, le ventre le même. Et j'ai vu un corps se former, là, devant moi, sous mes yeux, je vous jure. Un ventre, des côtes et puis une poitrine. Tu l'as touché au moins, la poitrine ? Ta gueule, toi, si t'as rien à dire. T'as même pas essayé de toucher ? Non, mais je suis sérieux. T'aurais pu toucher pour voir ce que c'est vraiment, pour voir si ça a de la vie, quoi, c'est vrai. Je dis rien de mal, t'aurais pu toucher. Là, au milieu de nous, je voyais le corps prendre forme, c'était impressionnant. Il y avait des bras aussi, deux bras. Il lui manquait que la tête pour paraître vraiment quelqu'un. Ouais, il y avait le tronc, il y avait les bras, mais il lui manquait que la tête. Je me suis réveillé et maintenant je ne vois plus le corps, mais... Mais c'est comme si l'orage de poussière était encore dans ma tête. C'est comme s'il y avait une vraie présence parmi nous. Tourment, il tape son front plusieurs fois avec sa main. Lambeau de la mémoire, premier éclat du jour, héros 2 pleure. Il y a du sang dans le ciel. Je revois l'épée, la Bible. Quoi ? Tu délires, toi ? Le sang remonte à la surface. Je revois le paysage de nos chairs brisées. Lambeau de la mémoire. Je saigne là. Mais de quoi tu parles ? Réveille-toi, mon cher. Oh. Je revois les monstres. Ils reviennent. Mais de quoi tu parles, camarade ? Je me souviens du coton. Mais c'est fini. C'est fini, tout ça. Je me souviens du champ de coton, de la canne à sucre. C'est fini. Repose-toi, mon frère. C'est fini, ça fait 2 siècles. Je me souviens des insultes. Je me souviens de nos sœurs violées. Mais nous nous sommes battus. Nous avons gagné. C'est fini, mon frère. Je me souviens du sang. Je me souviens des rigoises. Ne remuons pas les terres de la douleur. Laissons les plaies se reposer loin de nous. Laissons nos chairs se régénérer. C'est fini, tout ça. Regardons ailleurs. Oui, c'est fini. Et en vrai, ce n'est pas fini. Regarde notre peuple qui courbe encore son échine. Regarde notre pays. Regarde la mémoire qui agonise. Silence. Héros 3 caresse le dos de Héros 2. Il lui tend la bouteille. Allez, tiens. Bois une gorgée. Hier soir, j'ai fait un rêve. Un champ brasier. Champ de Mars, midi. Une foule grossit de plus en plus car depuis ce matin, on a aperçu une femme statue sur la place au milieu des 4 héros plantés là depuis des années. Les gens sont curieux de savoir qui est ce nouveau visage. Aussi, on aimerait savoir qui l'a érigé. Les instances officielles n'en avaient fait aucune présentation publique et elles viennent de sortir une note pour dire qu'elles ne sont pas au courant de l'implantation de cette statue sur la place. Soudain, la statue bouge légèrement et se met à parler. La foule se disperse, un véritable brouhaha, puis se reforme petit à petit en évitant de s'approcher trop de la statue qui bouge. La femme statue lève sa main droite vers le ciel et se remet à parler. Frères et sœurs dans la révolte, me voici. Me voici l'oubliée, la délaissée, la piétinée. Je reviens vous hanter. Vous faites semblant de ne pas me connaître. Vous vous êtes bien gavés du fruit de l'oubli. Née du premier soulèvement général des fleurs, un ciel ardent accroché aux lèvres en guise de cri. Debout en moi, la lumière humaine demande à grandir, mais la terre toujours repousse ses racines. Le pays écrase mes bourgeons, mes grains de beauté au second rang. Nul bouclier sous le bec de l'oiseau malheur, mais j'ai tenu bon et j'ai fait la route jusqu'à vous. Avant que chantent les fusils au bout du petit matin, je sais déjà que la tendresse reniera mon visage pas moins que 3 fois. Combien de chair faudra-t-il brûler pour retrouver mes os ? Combien de siècles faudra-t-il traverser pour réveiller ma mémoire ? Combien de sanglots à défier pour rafraîchir ma parole ? Ô fracture, mon amour national ! Ô poussière, ma république, ma faculté de mourir ! Ô mon pays ! J'ai subi pour toi les assauts des maîtres.
J'ai donné mon sang pour ta liberté. J'ai encaissé la mort pour te donner la vie. Qu'as-tu fait de ma mort? Qu'as-tu appris de mon sacrifice? Sinon ce vers sans fond, sans veine dans ton hymne, mourir est beau, que ça dit? Mourir est beau. Qu'as-tu fait de ma mort? Je suis morte et tu m'as oubliée. Comment peux-tu me dire que mourir est beau? Hymne national, hymne capital, plus amer dans mes yeux. Mourir est beau, un chant couteau, un chant qui trucide. Mourir est beau, tu dis? Hymne national, hymne de son normal pour l'histoire. Mourir est beau, hymne de silence imposé sur mon nom. Hymne de canon dans la bouche de mes combats. Mourir est beau, hymne de main d'état qui cache l'histoire. Mourir est beau, hymne de balles réelles dans les tempes de ma lutte. Mourir est beau, hymne cadavre. Mourir est beau, chorale de cartouches dans la nuit noire de mon histoire. Mourir est vraiment beau. Je suis la dernière génération des cadavres en vacances. J'ai fini mon temps de silence. Je révoque mon destin de poussière. La rue m'appelle à travailler la vie à bout de sueur et de feu. La vie m'appelle à me réveiller du tombeau de l'oubli pour réécrire mon odyssée, pour défoncer les portes de l'histoire que les hommes m'ont fermées depuis si longtemps. Renaissance. Un poème flambant neuf immatricule ma colère. J'ai chaud. Le temps m'est compté. Et vous, enfants du pays, qu'avez-vous fait de ma mort? Qu'avez-vous fait de ma mémoire? Voici les feuilles tombent et viennent jaunir ma rivière. C'est ma mère qui remonte le pays de ma pensée. Ma lumière périt doucement sous vos ombres. Vous avez fait de mon héritage une porte fermée. Si construire faut-il, je vous remets au charpentier de la honte. Enfants des larmes éternelles ou machines du 21e siècle, les mêmes plaintes convoitent votre partition. J'entends au loin les cloches de l'aliénation qui nourrit votre symphonie. Vous oubliez votre passé. Vous lisez l'histoire entre les lignes du dieu colonial et vous croyez bien faire. Vous ne lisez l'histoire qu'entre les lignes des hommes et vous croyez bien faire. Où est Catherine Flon? Où est Défilé? Où est Anna Kaona? Où est Claire Heureuse? Où est Cécile Fatima? Où est-elle? Où sont-elles? Oui, dealer, 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 dealer. Combien de chansons? Combien de chansons devrais-je encore tisser pour la chorale de l'aurore? Si je connais la fatigue, j'ai l'âge de la pierre qui ne peut même plus casser les vitres. Dernière saison d'une révolte incertaine, mais je reviens vous hanter. Oh, mon pays, tu m'énerves. Elle sort un billet sur lequel il y a son portrait. Alors, c'est ça ma récompense? C'est ça? Déjà, vous avez enlevé Catherine Flon. Vous avez enlevé Catherine Flon pour me mettre... Alors, pour nous, c'est du relais qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et puis, ça vaut quoi? Ça vaut quoi, ce billet? N'est-ce pas le plus petit et vous croyez ainsi m'acheter? Qui peut être fier de ce billet de 10 gourdes? Même un pauvre mendiant trouvera ça ridicule. Et puis... Salut, père, je t'aime! Et puis, qui connaît mon histoire? Qui connaît vraiment mon histoire? Tous ces gens... Vous tous qui utilisez ce billet chaque jour, connaissent-ils mon histoire? Connaissez-vous une ligne de mon histoire? On dit que chaque seconde s'éteint une étoile, que le sang ralentit et que l'oxygène s'épuise. On dit que c'est la nuit qui arrive. On dit que les rideaux vont bientôt se fermer, que la saison sera blanche et que je dormirai dehors, loin des pages de la grande histoire. On dit que chaque jour qui passe, les clous se resserrent et que les chaînes mûrissent. Pourtant, je les ai cassés. Je les ai bien cassés dans le champ de Saint-Domingue. Qu'avez-vous fait de mes combats?
On dit que mon visage sera voisin de la nuit, que mes gestes seront trop épais, que les rides vont dévorer ma lumière et que mon corps va faire faillite. On dit de demain temps fragile et qu'il faut de l'ordre à mes élans. Et si c'était vos yeux qui vieillissent? Je reviens de la poussière, je reviens vous hanter. Il faudra que je laisse un phare dans la nuit pour les générations à venir, pour les aurores de demain. Je reviens des cendres, je reviens d'outre-tombe, je reviens vous hanter. Et je ne vais pas commencer à pleurer comme si j'étais une vieille machine dont l'espérance de vie redoute un seul tour de main. Non! Je ne vais pas commencer à hurler comme une enfant prise en otage dans les pattes d'une immense araignée qui fait la taille de la maison de Donald Trump. Je vous demande simplement ma place. Je vous demande humblement ce que je mérite. Vous me condamnez à la mort. Vous me croyez mort. Mais la mort, sachez-le, la mort n'a pas beaucoup de pouvoir. Quand on la soulève, elle dégage une odeur d'opportuniste. Quand on l'affronte, quand on décide de l'affronter, elle ressemble à une simple question posée à la mémoire. Moi, j'ai les yeux tournés vers l'impossible. Je reviens hanter la vie qu'elle m'ouvre ses portes. Terrain dur, les fleurs se fanent dans mon jardin, je le sais. Mais ne comptez pas sur mes larmes pour arroser l'arbre généalogique de l'absence. Ne comptez pas sur moi pour ça. Aujourd'hui, beau jour. Que la vie commence. Je casse la coquille qui m'emprisonne et je vois 1000 soleils se déplier. Je frotte mes allumettes et 1000 rêves s'allument. Je révoque les ressacs de mon histoire sacrifiée. Je retrace le chemin, n'en déplaise aux cailloux. Je réinvente l'horizon dans ma houle éternelle. Une autre traversée commence ici. Je ne resterai plus sous la paille. 1000 bougies pour mon souffle. Dîner à la chandelle d'une nouvelle vie. L'eau a coulé sous les ponts crasseux de l'histoire, mais voici déjà reviennent les nuages. Les rivières vont renaître. Encore une mer à traverser. Comme a dit l'autre, 1000 fois sur le métier d'exister, je continue mon ouvrage de lumière. 30 millions d'étoiles investissent mon ciel. Laissez-moi remplir mon portefeuille d'aubes nouvelles. Elle brandit son poing vers le ciel. Laissez-moi entrer dans le nouveau poème. La foule applaudit pendant longtemps, très longtemps. Stupéfaction sur le visage des héros, comme s'ils se croient dans un étrange rêve. Tiens, bois une gorgée, ma sœur. Tu viens de loin. Je sais que tu viens de loin. Vous voulez qu'ils reviennent? Enfin, ils reviennent, bis! Revenez! Bravo!
Merci, merci à vous tous, les comédiens et les élèves de l'École du Nord, mais je ne sais pas si on doit faire la différence d'ailleurs. Merci à vous toutes et à vous tous. Jean d'Amérique, merci aussi pour ce, ce très beau texte et d'être présent pour cette lecture. Deux, trois choses sur vous et aussi sur Sanit Belair, parce qu'elle existe vraiment, mais pourquoi l'avez-vous choisie, elle ? Est-elle la seule héroïne de cette révolution haïtienne, où derrière elle, il y a encore des dizaines de femmes? Sanit Belair, c'est une figure. C'est pour ça que je n'ai pas fait une pièce qui est tant biographique. En fait, c'est une figure qui, à travers laquelle se cristallisent toutes les figures de femmes qui ont traversé l'histoire haïtienne et qui ont connu le même sort, c'est-à-dire une sous-représentation et une absence parfois totale. Aujourd'hui, le temps du silence est fini, comme elle le dit dans le J'espère. Texte. mais vous espérez ou vous sentez les prémices justement de cette résurrection et de cette prise de parole des femmes en Haïti, dans le monde peut-être, mais en Haïti? Oui, je pense qu'on est totalement dans une époque où on est de plus en plus conscient de ces problèmes, déjà beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, je vois des jeunes, surtout quand je vais dans les écoles, je vois les jeunes, ils sont de plus en plus sensibilisés à ça. Donc, je crois dans une meilleure génération. Ce n'est pas pour dire que la nôtre, elle est totalement foutue, mais je pense qu'on commence à être mieux préparé à ces questionnements, en tout cas. Et dans la pièce aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner des outils. Enfin, moi, j'ai utilisé des outils que l'histoire ne m'a pas donné, c'est-à-dire la fiction et la poésie, pour essayer de réparer des trous, de combler un certain vide qui existe. Alors, figure féministe, mais figure révolutionnaire aussi. Je disais, le texte a été retransmis, la lecture a été retransmise sur la page Facebook de RFI. Il y a bien évidemment des commentaires. Il y a Moumouni Ouedraogo qui dit « Bonjour RFI depuis le Burkina Faso. On peut tuer les révolutionnaires et non la révolution. » Vous en pensez quoi? C'est complètement ça. C'est-à-dire, c'est le corps qui peut mourir, mais l'œuvre d'une personne... Elle brillera toujours, et c'est le cas pour Sanit Belair. C'est pour ça que je crois qu'elle est vivante, qu'elle est parmi nous là. Qu'elle lève la main. Voilà. en tout cas, elle a un compte Twitter et elle a une page Facebook. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment vivante. Elle est là. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et elle poste quoi? Bah, ce qu'on a écouté dans la pièce, en fait, parce que en fait, pendant que j'écrivais la pièce, Sanit Belair, elle faisait vraiment ces publications que vous entendez dans la pièce, et des gens ont réagi ou ont relayé. Donc elle a vraiment une action concrète sur le terrain en dehors de la pièce. Donc suivez-la et soutenez-la. Mais elle a comme on dit dans le langage réseaux sociaux, des admins. Des admins pour ces pages, des administrateurs. Ah, je ne sais pas. quelques mots sur vous, Jean d'Amérique. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, vous venez de publier un premier roman chez Actes Sud, Soleil à coudre. Vous avez plusieurs pièces de théâtre à votre actif, de nombreux recueils de poésie. Comment vous vous situez dans ces différents registres d'écriture? Je sais que vous vous dites poète d'abord. Oui, poète fondamentalement, parce que pour moi, la poésie reste la matière première de tout ce que je fais dans la littérature. C'est-à-dire, même si je vais visiter d'autres genres littéraires comme le théâtre, le roman, je le fais en restant fidèle à ce que la poésie apporte à la langue, c'est-à-dire une fraîcheur, une sève nouvelle qui fait qu'elle est toujours plus belle et lumineuse. Et cet endroit-là du langage, pour moi, il est fondamental dans l'écriture, c'est-à-dire même si je raconte une histoire, j'ai besoin de la raconter dans une forme singulière que seule la poésie peut m'en donner les clés. Donc voilà, je suis très enraciné et même endurci dans la poésie, et j'espère le rester.
endurci dans la poésie. La situation en Haïti, on le sait, est de plus en plus tragique. Je crois qu'il y a eu 90 morts la semaine dernière dans des luttes entre gangs. Est-ce que la poésie peut être une petite lumière dans un contexte comme celui-ci ? Pas une petite, une grande. Je pense que la poésie, en tout cas celle que j'ai toujours aimée et celle que j'essaye de faire, c'est celle qui peut secouer le monde, qui peut réveiller des esprits. Et c'est l'endroit où on peut agir, c'est sur la conscience des gens. Moi, je crois dans cette force de la poésie qui peut toucher les esprits, les réveiller et les amener à la révolte. Moi, je viens de là. C'est la poésie, c'est la littérature qui a fait de moi la personne que je suis, qui m'a construit humainement, politiquement. Donc, en écrivant, j'essaye de porter cette parole parce qu'elle est celle d'un citoyen avant d'être celui ou celle d'un écrivain, en fait. Donc, je crois dans cette poésie qui nous réveille et qui ouvre nos yeux sur ce qui se passe autour de nous. Alors, on sait que Haïti est un grand pays d'écrivains, de poètes, d'auteurs. Comment un jeune homme comme vous découvre la poésie ? Moi, j'avais autour de 12 ans. Je venais à peine d'arriver à Port-au-Prince parce que j'ai grandi dans un petit village à la campagne. Et j'habitais dans un quartier populaire à Port-au-Prince. Et j'ai découvert le rap, en fait, qui était à son apogée à cette période en Haïti. Et je voyais des jeunes qui venaient de quartiers comme moi et qui avant n'avaient pas de droit de cité dans la société et qui se sont emparés de cette forme de musique et de poésie qui est un peu discriminée aussi et qui en ont fait quelque chose, qui l'ont imposé à la société et désormais ils avaient une voix. Je crois que ça m'a envoyé un message d'espoir, en fait. Ça m'a dit que je pouvais aussi prendre la parole et faire entendre des choses qui comptent pour moi dans la société. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et après, j'ai découvert les livres, beaucoup par des profs aussi au lycée. Voilà, et puis j'ai lu des choses, j'ai découvert Jacques Séphène Alexis, Franck Etienne, tout un panel d'auteurs haïtiens, Marie Vieux-Chauvet et plus tard d'autres auteurs aussi d'autres pays. Et c'est ce qui m'a formé et je garde ce double héritage du coup aussi de la musique et des livres parce que c'est ça qui a fait de moi quelqu'un. Merci d'être quelqu'un. Merci Jean d'Amérique, merci aux comédiens, merci à vous, merci à Armelle Roussel, merci à Pierre-Alexandre Lampert que j'ai oublié, je savais que j'allais en oublier, hein. C'était lui pour la création sonore. Merci beaucoup et rendez-vous demain à peu près à la même heure à 11h avec un texte d'une jeune autrice béninoise qui est là aussi, qui est à premier rang pour vous soutenir, Jean d'Amérique, c'est Nathalie Umbo-Yekpe, une histoire, encore une histoire de femme, mais dans un contexte un peu différent, celui du Bénin. Merci beaucoup, bon après-midi et à très vite. Merci.